Donc lors des détections, ce qu'on recherche, c'est le potentiel du joueur. C'est ce qui rend notre mission difficile lors de ces journées-là. C'est qu'on cherche quel niveau le joueur pourrait potentiellement atteindre dans 5, 6, 7, 8 ans. Donc on regarde surtout les aptitudes techniques, les aptitudes tactiques pas trop, les aptitudes physiques pas trop. Mais ce qui prime la chose la plus importante, c'est l'attitude. Comment le joueur réagit quand il a perdu le ballon, quels sont les efforts qu'il fait. On cherche des jeunes très positifs dans leur approche, très actifs, très impliqués dans ce qu'ils font. Après qu'ils le réussissent ou pas, à cet âge-là, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc c'est numéro un. Ex aequo, je dirais, c'est la technique, la mentalité et donc l'attitude.